Ouais, bonjour à tous, c'est Charlie sur Apivia. Bon, je viens d'apprendre la décision de la direction de course de d'arrêter la course après la porte. Donc ça veut dire qu'on remporte cette Vendée Arctic 2022. Voilà, je suis super content. Voilà, la course s'est vraiment très bien passée. Et voilà, je trouve ça, c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Donc voilà, petite première. La Vendée Arctique se termine donc en Islande. Alors que Charlie Dalin et Thomas Ruyant ont réussi à se mettre à l'abri dans un fjord une fois la ligne franchie, jeudi, ce samedi, au large de la côte est islandaise, 17 concurrents ont coupé la ligne virtuelle. Voilà ce qui symbolise la ligne d'arrivée. Cette Vendée Arctique, un tout petit caillou. Je passerai jamais cette putain de ligne quoi, avec cette grand voile qui a explosé. Enfin, ah là là. Elle est déchirée tout le long là. Et un truc énorme au milieu. Ah, tout ça à la mer, elle est fini quoi. Alors regardez, c'est en état, mais le bateau il tapait à chaque fois qu'il tapait. J'ai l'impression que c'était un. Comme du verre brisé quoi. Ça tombe, le bateau il est détruit quoi. Oh putain, c'est fini quoi, enfin. Une fois franchis, les concurrents sont libres de leur stratégie. Certains se sont placés à l'abri de la côte, comme Jérémy Bayou ou Alan Roura pour temporiser. D'autres ont choisi de reprendre la route des sables en se laissant pousser par les vents forts, comme les deux Louis, Duc et Burton. Mais c'est la queue du peloton, toujours en route vers la ligne, qui est en grande difficulté depuis deux jours. Déjà frappé de plein fouet vendredi après-midi, le calvaire continue ces dernières heures. Ce samedi, la Micaline, privée de voile d'avant, a choisi d'abandonner. Quelques heures plus tard, Isabelle Joschke renonce elle aussi, grand voile déchirée. Même réduite, cette Vendée Arctique aura éprouvé les skippers comme rarement.